Bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu spécial parce qu'il est commun à plusieurs Easy Languages. C'est le thème de la liberté. Donc, on interroge les gens dans Paris, ici à Montmartre, et on leur demande ce que signifie la liberté pour eux. Et c'est très important, c'est un thème qui nous est très cher, notamment ici en France, vu que le terme liberté ou le concept apparaît sur notre devise. Qui est liberté, égalité, fraternité. Et sur la, bien évidemment, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où c'est posé comme principe, et donc on dit bien les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Donc voilà, suivez-nous pour aller voir ce qu'en pensent les gens en France. On y va. Qu'est-ce que la liberté pour vous ? Pour moi, la liberté, oui, c'est un sujet très vaste et je pense que c'est un peu le berceau de l'humanité. Bon, voilà. La liberté, par exemple, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais en même temps, comme on dit aussi, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Qu'est-ce que la liberté ? C'est ce qui me permet de faire ce que je veux. Dans la limite de pas enquiquiner mon voisin. Pour moi, la liberté, c'est surtout la liberté de croire, de penser, de bouger, de tout, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, et vraiment penser et croire, c'est le principal pour moi. Ah, c'est compliqué parce qu'on est toujours dans des cadres qu'on a du mal à franchir, mais par exemple, c'est vrai que l'addiction à Internet, à Google, aux écrans, moi je vis à Paris depuis 30 ans et je vois plus que des crânes de gens qui ont les yeux collés sur leur appareil. Donc vous allez me poser la question, qu'est-ce qui entrave la liberté? Je vous dirais Internet et toutes les connexions qui vont avec. Et en fait, pour vraiment retrouver la liberté, c'est de lâcher son téléphone, son smartphone, sa tablette et d'aller marcher. C'est une des choses les plus importantes pour la vie, pour les animaux, les humanoïdes comme nous. C'est la première des choses. Et après, bien sûr, on l'a fait en 68, on a demandé notre liberté, les femmes. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et la liberté, c'est pour tous. Et vous parliez justement de... Alors, la liberté du français, justement. Que les gens sachent très bien parler français. Pour bien se faire comprendre, c'est la première chose. Et ne pas galvauder le français, qui est une très très belle langue. Alors la liberté, on dit, aujourd'hui on veut l'équité. Mais déjà en maternelle, on vous apprend le français en disant en grammaire française, le masculin remporte sur le féminin. Voilà la liberté. La liberté d'aller où je veux. Parce que j'ai passé pas mal de temps dans des pays, je dis pas où, dans les pays où la liberté n'est pas comme en France. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes de ces pays, qui habitent dans ces pays-là. Et je me suis rendu compte qu'ils sont très limités dans leur liberté. Et j'utilise l'exemple de voyage. Moi, par exemple, je peux aller sur l'Internet, autant que français, je réserve mon billet d'avion, je vais presque où je veux dans le monde. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ça, c'est la vraie vérité, de pouvoir voyager. Donc vous parlez de la liberté de mouvement. Liberté de mouvement, oui. Et la liberté de la parole aussi. D'avoir la liberté de dire ce qu'on veut, à qui on veut, toujours avec une politesse évidemment, mais de dire ce qu'on pense, qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. C'est pour faire ce qu'on veut, mais en respectant aussi la liberté des autres et sans les déranger eux. La liberté, c'est la liberté. On n'est jamais libre de tout, de toute façon. Hein. Quand on prend des décisions, ça nous engage sur un certain chemin. Par exemple, je me suis marié, j'ai eu deux enfants. Le jour où j'ai fait mes deux enfants, c'est que je savais que j'en aurais jusqu'à 20 ans. Il fallait que je m'en occupe. Donc ma liberté a été, on peut dire, limitée, mais c'était volontaire. Donc est-ce que c'est vraiment une limitation de liberté dans la mesure où c'est moi qui ai décidé de les faire, les enfants ? Être célibataire, c'est une forme de liberté. Et d'un côté, on a quand même besoin, parce qu'en fait, la solitude, c'est aussi très dur. Mais je trouve qu'on n'est pas fait pour vivre en couple. La liberté, c'est pouvoir avoir un peu de liberté pour pouvoir s'aimer. Ouais, je trouve ça magnifique ce que vous dites. Merci beaucoup. L'amour, c'est la liberté.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit ainsi la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Est-ce que les gens pensent ça ? Ben on va le voir. Et est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui, pour vous, peut limiter la liberté ? Ah, il y a tellement de choses qui peuvent limiter votre liberté, à commencer par la religion. Moi, je suis athée convaincu. Je pense que c'est une escroquerie qui date de la nuit des temps. La religion, c'est une invention qui, avant tout, limite la liberté des gens. Je peux vous en donner d'autres, hein, la dictature, Lénine, Staline, Trump. J'aime bien les mettre ensemble. Restreindre et limiter, oui, quand j'étais plus jeune et qu'on m'interdisait de sortir. Après, sinon, je trouve qu'on est quand même libre de faire ce qu'on a envie de faire en France, en tout cas. Et non, sinon, à part avant 18 ans, ouais, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus. Une fois encore, à une séance en plus du niveau 4. Salut Marianne, salut Amanda, salut Ale et Bella aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, salut. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, il y a toujours une question. Et la question d'aujourd'hui est simple. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la liberté? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la liberté? C'est quoi la liberté pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de la liberté? La liberté, c'est quoi pour vous? Ok, les deux questions. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté ou qu'est-ce que la liberté représente pour vous? Oui, comme mieux. Je pense que c'est important pour la vie. C'est respect pour la personne. Non sé comment dire, el espacio de l'autre. Oui, l'espace de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? De quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Mm-hmm. La forme de penser. Exactement, la manière de penser, la façon de penser, n'est-ce pas? C'est tout. Basiquement. Oui, le respect, n'est-ce pas? Le respect aussi. Le respect et, ou respecter l'espace de quelqu'un d'autre. Oui, la manière de penser aussi, n'est-ce pas? Ok, merci Amanda. Bienvenue. Ah, también ser spontané, no sé. Être spontané, très bien. Être spontané. Et la liberté de l'expression, c'est important. Exactement, la liberté d'expression, la liberté de parole. Très bien, oui. Exact. C'est intéressant de la personne parle de la religion. Mm-hmm. C'est intéressant que la religion limite la liberté. Mmh. Exactement, c'était ça, n'est-ce pas? Un commentaire. La religion limite. Exactement.
Je pense que le la plus division, c'est aussi limite la liberté. Parfait, merci Amanda. Merci. Merci pour partager ton point de vue. Allez, allez Marianne, Bella. Je pense que la liberté ou l'esclavage sont dans l'esprit, la mente, qui est dans la mente. Très bien, l'esclavage, très bien. L'esclavage. Et l'esclavage, oui. Et quand nous pouvons transcender. Oui. Et nous pouvons voir que nous ne sommes pas notre corps seulement. Nosotros vamos a poder. Nous pouvons, non, Oui, nous nous pouvons. pouvons obtenir la liberté. Obtenir la liberté, oui. Obtenir la liberté ou avoir la liberté, les deux. Tout est dans l'esprit. Ah, d'accord, à travers l'esprit. Pero el esprit es la mente, ¿no? En francés. Que es como un poco confuso, ¿no? Porque Alors, parece que habla del espíritu, pero en realidad, si buscas la palabra mente, dice la palabra esprit. l'état d'âme, peut-être. No en la cabeza, es que Non, l'état d'âme, l'état, l'état d'âme. l'état d'âme. Una, así un estado así de alma, l'état d'âme. Ah. Si hay otro término. O sea, yo estoy hablando de la mente. Ah, Que d'accord, cuando ok. hablas o sea, cuando buscas el significado de Esprit. el sinónimo, ajá, es el espíritu. Parece que es el espíritu, pero es la mente. ¿Por qué es así? Estás en mute. Oui, ok. D'accord. Et aussi la mentalité, ou la façon, la mentalité aussi, on peut dire, la mentalité. La mentalité. Ok. Merci, Marianne. Merci, Marianne. Ok. Allez, peut-être. Ah, voilà. Okay. Et ensuite, Bella. Oui. Je pense que la liberté est très simple parce que la possibilité de penser et de faire ce que nous voulons de manière coordonnée. Parce que nous pouvons penser de manière, mais à le moment que nous faisons les choses, et nous pouvons non sé, no hacerla. Oui, ne pas le faire. Ne pas le faire. Oui, non, hacerlas. Ne pas le faire. OK. Oui, exactement, n'est-ce pas? On peut faire les choses quand on veut. Oui, n'importe quand et n'importe comment, mais on doit le faire. Ou on peut le faire, n'est-ce pas? OK. Merci, allez, très bien. Quelqu'un d'autre qui veut partager, qu'est-ce que vous pensez à propos de la liberté? La liberté, c'est quoi d'après vous? La liberté, oui, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez?
On vient d'écouter Amanda, Marianne et Ale qui ont partagé un peu son point, leur point de vue, n'est-ce pas? Vous, les autres, qu'est-ce que vous pensez à propos de la liberté, avant de commencer? Non. Rien. Ah, Maria, vas-y. Maria. Steph, peut-être, non? Avant de commencer. Bella, non. Bonsoir. Estoy manejando, pero enseguida que llegue yo voy a partir. D'accord. T'inquiète. Merci, Steph. Et OK. Non. Quelqu'un d'autre à propos de la liberté? Vas-y, Belle. Sería uno de puente de accesión. Ça dépend de quoi? Et prendre des décisions. Ah oui, prendre des décisions. Exactement. Prendre des décisions. Oui. Ou la prise de décision, n'est-ce pas? La toma de décision también. O toma de décision. La prise de décision. OK. Merci. Oui, la liberté, n'est-ce pas, pour vous. Parfait. OK. S'il n'y a pas de commentaires, non, quelqu'un d'autre. OK. Parfait. Oui, c'était la liberté. La liberté. OK. Alors, la séance précédente, n'oubliez pas, on a regardé, on a vu l'imparfait, n'est-ce pas? L'imparfait. Et aujourd'hui, on va réviser le passé composé, d'accord? Le passé composé d'une manière, petit rappel, parce qu'on a déjà vu le passé composé dans le niveau 2, le niveau 3 et même encore dans ce niveau. Oui, le passé composé. Et après, s'il y a le temps, on va regarder les deux temps verbaux, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois, c'est-à-dire le passé composé avec l'imparfait. OK. Alors, petit rappel du passé composé. J'ai préparé une carte mentale. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une carte mentale, oui. Oui, comme ça. Enfin, encore. OK, maintenant, oui. Effectivement. Alors, le passé composé. Le passé composé. Et, rapidement, on va regarder rapidement le passé composé. Quand est-ce qu'on utilise le passé composé? Simple. Pas maintenant, pas demain, mais surtout hier. D'accord? C'est un temps pour parler du passé, n'est-ce pas? Comme hier, avant-hier, la semaine dernière, la semaine précédente, le mois dernier, etc. N'est-ce pas? Le passé. Passable. Toujours. OK. C'est un tome composé. Es un tiempo compuesto. C'est un tome composé. Donc, il y a deux mots qui vont jouer, n'est-ce pas? Deux mots. Alors, quels sont les mots? D'un côté, l'auxiliaire avoir ou être. D'accord? L'auxiliaire avoir ou être. On va conjuguer le verbe avoir ou le verbe être au présent, à le présenter, au présent de l'indicatif, et on va ajouter le participe passé.
plus le PP. Qu'est-ce que ça veut dire le PP? Le participe passé. Participe passé, d'accord? Le participe passé du verbe en question. PP. Tout simplement pour abrévier, n'est-ce pas? Participe passé. Le participe passé du verbe en question. Ok. Et c'est un tome composé. C'est un tome composé. Avec le verbe avoir ou avec le verbe être. Ici, par exemple, avec le verbe avoir, conjugué au présent, d'après, en effet, on ajoute les pronoms sujet. N'est-ce pas? J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont, n'est-ce pas? Plus le participe passé d'un verbe. D'accord? D'un verbe. Le participe passé d'un verbe. Par exemple, chanter, fini, vu, pris, dit, fait, offert, n'est-ce pas? Et une chose assez importante, le verbe du premier groupe, c'est-à-dire le verbe que finisse en ER, c'est simple. Pourquoi? Premier groupe, ER, on va tout simplement éliminer le R et accentuer le E, c'est-à-dire comme ça, avec l'accent aigu. La plupart du temps, on va faire ça, n'est-ce pas? Avec le verbe que finisse en ER. Avec le verbe que finisse en IR, c'est plus simple encore. Parce que simplement, on va éliminer le R. Et comme terminaison, il y a I, n'est-ce pas? Par exemple, comme choisir, choisir, choisi. Partir, parti, n'est-ce pas? Comme chanter, le premier cas, chanter, chanter, la même chose. Regarder, regarder. Monter, monter. Et la troisième catégorie, le verbe que finisse en RE ou DRE. On va faire quoi? Alors, ce sont des verbes irréguliers, mais la plupart, ils vont finir en U ou, oui, ou T. Effectivement. D'accord? RE ou les verbes qui finissent en RE ou DRE. Ils vont finir en U ou T. Par exemple, par exemple, faire, fait, n'est-ce pas? Faire, fait. Et dire, dit. Oui. Les trois catégories. Par exemple, une phrase, hier, j'ai joué au foot, n'est-ce pas? J'ai joué au foot. J'ai joué au foot. Je pronomme sujet avoir comme auxiliaire, conjugué au présent et jouer, n'est-ce pas? La première catégorie. On élimine le R et on accentue le E. J'ai joué au foot. Ayer he jugado al fútbol, oui. Et la plupart des verbes font partie de cette catégorie, avec le verbe avoir comme auxiliaire, n'est-ce pas? On continue avec le verbe être, d'accord? Avec le verbe être maintenant. Avec le verbe être comme auxiliaire, conjugué toujours au présent. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont, n'est-ce pas? Et quels sont les verbes qu'on va conjuguer avec le verbe être? Simple, les 14 verbes du mouvement. Les 14 verbes du mouvement avec tous les verbes pronominaux. Voilà. Les 14 verbes du mouvement. Oui. Mouvement. Plus les verbes pronominaux ou les verbes réfléchis. D'accord? Plus les verbes. Et le verbe pronominal. Tous les verbes pronominaux plus les verbes. Tous les verbes pronominaux.
OK. Quels sont les verbes pronominaux, par exemple? Et n'oubliez pas, à chaque fois qu'on va utiliser le verbe être comme auxiliaire, on va faire l'accord. On va faire l'accord en genre et en nombre. D'accord? L'accord en genre et en nombre. L'accord en genre et en nombre. Non, désolé. Nombre. En género y número. D'accord? Par exemple, elles sont devenues avec être accord du participe passé, avec le sujet. Elles sont devenues. Venues, elles. Elles sont devenues. Elles, féminin pluriel. Venues, elles sont devenues. Venues, ES à la fin, parce que c'est féminin pluriel, n'est-ce pas? Mardi dernier, je suis allé chez mamie. Ça dépend qui dit la phrase, n'est-ce pas? Je suis allé chez mamie. Ça peut être une femme. On ajoute le E à la fin ou un homme, comme ça, tel quel. Et, OK. Et finalement, alors, le passé composé de deux verbes très importants, avec le verbe avoir et être, facile encore parce qu'on va toujours utiliser le verbe avoir comme auxiliaire, même avec les deux verbes en question. Le verbe être et avec le verbe avoir. D'accord? Par exemple, j'ai été malade. J'ai été malade, tu as été. N'oubliez pas que le participe passé du verbe être, c'est été. Comme au verbe, été. Été. Et on va conjuguer avec le verbe avoir comme auxiliaire. Auxiliaire avoir. Auxiliaire avoir. OK. Auxiliaire avoir avec le verbe être et auxiliaire avoir avec le verbe avoir. D'accord? Et j'ai eu. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. N'est-ce pas? J'ai eu. Tu as eu, il a eu, nous avons eu, ils ont eu un BMX, n'est-ce pas? Un vélo. Un BMX. Oui, petit rappel, le passé composé, ça va? Il y a des questions? Pas de questions? Qu'est-ce que vous dites? Bella, Amanda, Carmen, Maria, Steph? Ça va? Ok, merci, allez. Merci. Très bien. Marianne, encore? Pas de questions? Pas de difficultés? Alors. OK. S'il n'y a pas de difficultés, donc merci, Steph. S'il n'y a pas de difficultés, alors maintenant, on va faire une activité de production de l'oral improvisée par rapport au passé composé. On y va. OK, parfait, très bien. L'activité est simple, d'accord? Et l'activité est simple. Il y a des images et chacune entre vous doit dire, alors doit penser, d'après vous, quel est l'itinéraire? Oui, quel est l'itinéraire? Quelles sont les actions d'Hugo, n'est-ce pas? Hugo, c'est l'homme en chemise grise, n'est-ce pas, Hugo? Alors, quelles sont les choses qu'elle a fait pendant toute sa journée? Pendant toute sa journée, d'accord? N'oubliez pas, on doit utiliser le passé composé. Ce sont des actions précises et terminées. Ils ont commencé au passé et ils ont terminé au passé. Ce sont des actions précises et surtout, oui, pour. Oui. Action précise. D'accord? Donc, et vous devez dire aussi l'heure. D'après vous, quel est l'itinéraire? Parce que les images sont un peu mélangées. D'accord? Les images sont mélangées. Et vous devez choisir ou vous devez penser à comment est-ce qu'il a passé sa journée? Quelles sont les choses, les activités qu'il a fait?
et l'heure. Et n'oubliez pas aussi d'ajouter les connecteurs logiques. D'accord? Par exemple, tout d'abord, pour commencer, tout d'abord, et ensuite, ensuite, virgule, quoi d'autre? En plus. Depuis, ensuite, plus tard, par exemple, plus tard, pour terminer, enfin, enfin. Comme ça, enfin. Et ah, oh, tout à coup, tout d'un coup, peut-être. Ou soudain. Soudain, aussi, de repente. Si bien, non. Ok. Oh, soudain. Soudain, soudain. Soudain, comme ça. Voilà, c'est une activité surtout à l'oral, d'accord? À l'oral, à l'oral, à l'oral. Qu'est-ce que vous croyez? Une journée habituelle d'Hugo. Comment est-ce qu'il passe? Comment est-ce qu'il a passé sa journée? Quelles sont les choses chronologiques? Quelles sont les activités chronologiques qu'il a fait pendant sa journée? Les images, non? Oui, d'après les images, très bien. D'après les images, très bien. En effet. D'abord, il a parlé à l'homme et à la femme. Ah, d'accord, ok. Première image, d'accord. Ok. No dice muchas cosas. Puis, il a lu le journal. Très bien, ok. Il a lu le journal, très bien. Puis, ensuite, Ensuite. il a monté le bus. Oui, et elle, il est monté. Il est monté le bus. Très bien. Ya, sigan ustedes. Ok. D'accord, oui. Très Se puede decir, il a pris le bus. Il a pris le bus, très bien. Il a Le pris le pris le bus. bus. Très bien. Et chaque matin, Hugo prend un café en arrivant au bureau. La imagen de. Me parece lógico eso, que llegue y tome un café, digamos. D'accord, oui, ça fonctionne. L'image suivante, devant l'ordinateur. Ou... La debajo Ah, del bus après. con alguien, sí. Ah oui, ok. ¿Qué? Très bien. Porque no se ve desayunar en ningún momento, entonces. D'accord, oui. À la image de l'ordinateur, depuis Depuis, d'accord. d'un café, Depuis d'un café. Revise de chat, correo, Oui, message. ces messages, ces mails, très bien. Ça, c'est mail. C'est
ce travail se priorise. Ah, il priorise. Or, c'est priorise. Ordinaire, non? Ordinaire, prioriser. Il organise aussi, très bien. Ou il range. Mais attention, parce qu'on doit raconter l'histoire au passé, au passé, pas au présent. Au passé, au passé. Oui, c'est parce que chaque matin, nous allons prendre un café en arrivant au bureau. Et depuis... Eso. Ha revisado sería, ¿no? Entonces, ha revisado. Après avoir revisé. ¿No? D'accord, après avoir révisé, oui, mail, etc. Ce ordinateur, le message. Et avoir organisé le travail. Parfait, merci. Et quelqu'un d'autre qui veut continuer ou quelques autres propositions? Tous est bienvenu, tous est bienveillant. Oui, allez peut-être... Steph, Ursula, Maria, Carmen, Bella. Ou vous avez d'autres propositions? Oui, vas-y. Je peux. Tous les matins, Hugo prend le bus en direction à son travail. Ensuite, il prend son petit café, lit le journal, je sais pas dans quel ordre le mettre. Oui, c'est ça, effectivement, c'est un peu libre à l'ordre que tu veux, d'après toi. Et lorsque tu veux. Mais attention au passé composé, en utilisant le passé composé. Par exemple, il a pris le bus. Ah, d'accord. Oui, il a pris le bus. Il a lu le journal. Il a lu le journal. Etc., oui. Quand il a commencé à travailler, tout d'un coup, il a reçu un appel. Il a dû sortir... donner la bienvenue. C'est quoi la première image? Après, il a eu une réunion. Exact, très bien. Et pour terminer sa journée, il s'est rendu à un dîner avec ses collègues. Très bien, effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? Ok, oui. Oui, parfait. Simplement, on doit choisir dans quel ordre, quelle situation on passait, après quelle situation, en utilisant les connecteurs logiques, et ça va. Très bien, merci Carmen. Ce sont des propositions, n'est-ce pas? Parce que Carmen peut penser... différemment de Marianne ou d'Alé, par exemple, ou de Steph ou d'Amanda. Donc, c'est à vous. Simplement, imaginez un peu plus et comment se passe la journée, une journée habituelle d'Hugo, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre qui veut essayer? Merci, Carmen. Oui. Et ensuite, on peut ajouter l'heure. Par exemple, à 9h, il a pris le bus. Ensuite, à 10h30, il a reçu un appel et il a dû recevoir ses collègues à l'entrée. À midi, il est parti à déjeuner avec ses parents.
Et l'après-midi, à 16 h, disons, il est retourné à faire ses affaires. Voilà. Et ainsi tout de suite, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre qui veut essayer? Quelqu'un d'autre qui veut essayer? Amanda, allez, peut-être. Steph, Ursula, Bella, non. Moi, Merci, allez, vas-y, vas-y. je pense que chaque matin, Hugo a pris le bus pour arriver à son travail. Après, il a aidé des personnes âgées à traverser la rue. À son travail, il a pris un café. Ensuite, il a révisé son ordinateur et il a eu une réunion de travail. Après, il a téléphoné ses amis pour se rencontrer et ils font dîner. Ah oui, ils ont dîné. Très bien. Ils ont dîné. Parfait. Bravo, allez. C'était ça. Exactement. Chacun peut, disons, faire des activités hypothétiques, n'est-ce pas? Merci. Allez, très bien. Bien joué. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Qui... Les personnes qui manquent? Les personnes qui faltent un Bella, peut-être. Non, Steph, Ursula, Maria. C'est un peu libre, un peu... On doit laisser voler la créativité. Non? Moi, Non, prof. merci, Steph. Vas-y. Et à la matin, ils partent tous en bus pour aller à travail. Et ensuite, ils commencent à travailler dans ce ordinateur. Et en plus, ils travaillent avec ses collègues dans un. Comment dire, dans une réunion, et depuis, il fait une pause pour manger quelque chose et oui, quelque chose. De la machine. Et soudain, non, il est. Il est lire un rapport. Plus tard, il se. Il se rencontre ses amis dans un bar pour manger le vinaigre. Et puis, il se rencontre avec ses parents. Et pour terminer, il parlait au téléphone et avec sa petite amie. Non sé comment se dit, c'est novia. Oui, exactement, avec sa meuf, sa femme, avec sa petite amie, très bien. Sa copine, peut-être? Sa copine, oui. Oui, c'est tout. Ok, parfait, tu as utilisé toutes les images, donc ça va exactement.
Et ensuite, tu as utilisé les connecteurs logiques, n'est-ce pas? Tout d'abord, ensuite, plus tard, soudain, pour terminer. Et c'est quelque chose de très important d'utiliser les connecteurs logiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous aider à structurer mieux notre discours. Vraiment. Oui. Merci, merci, Estef. Et les personnes qui ont participé, excellent travail. Pas de questions? Des questions? Non. Et ça va. Ok, ça va. Come to the clientes, client. Oui, effectivement, le client. Très bien, Le les client, clients. le client. Alors, maintenant, on va travailler le passé composé, mais avec des petites questions. D'accord. Sí, estaba yo queriendo armar otra historia, pero ya cambiaste. Quelle histoire, Con quelle histoire. clientes. Vas-y, vas-y. Avant de Sí. commencer. No, porque Vas-y. Hugo a pris le bus pour aller travailler. En arrivant au travail, a pris un café avec un collègue. Après, il a lu les nouvelles Très bien. et a examiné son ordinateur pour commander les appels à ses clients. Oui, c'est client, très bien. Puis a appelé ses clients et les recueille dans son bureau. La réunion, c'est la réunion à la fin de la journée. Elle y rentrait chez lui et dîner avec ses parents. Ok, parfait. Et très bien, bien joué aussi. Une petite chose à la fin, À la pas fin, à oui, la fin, pas la fin, à la fin. à la fin. Ok, alors maintenant on va continuer avec le passé composé. No sé por qué me olvido cuando, o sea, sé y se me va a veces. Oui, à la fin, Sé, la chanson. cuando viajé ahora les contaba, en Berlín, Berlán, Berlán, me desciendo. Exactamente, Berlín. Si todos que terminan en IN van a ser para nosotros AN. Sí. Siempre, al inicio, al medio o al final. Toujours. Un. Así como nasal, ¿no? Un. Así, y on va a ajouter un. Como ça. Un. Un. IN. IN. Et ok. Merci. De rien, de rien, de rien. Alors, qui va commencer? Ah, Amanda va commencer. On va jouer un jeu avec le passé composé. Alors, quelles sont les questions intéressantes peut-être à dire par rapport au passé composé? Et maintenant, par exemple,
Ok. Amanda, tu as fait les devoirs? Amanda, tu as fait les devoirs? Tu as fait les devoirs, Amanda? Oui, non. Oui, Oui, j'ai fait les là. devoirs. D'accord. Oui, j'ai fait les devoirs, n'est-ce pas? Si, j'ai fait la tarea de hoy. Oui, je... Non, je n'ai pas... Exact, je n'ai pas fait les devoirs. Non, je n'ai pas fait les bras. Le Exactement, c'est devoir. possible. C'est possible, c'est une Je... réponse. OK. Oui. Alors, vous devez tout simplement répondre à la question en utilisant le passé composé, n'est-ce pas? Alors, on continue avec... Allez. La réponse peut être positive ou négative, comme vous voulez. Merci Amanda. Allez, à toi. Ok, oui. Tu peux lire la... Alors, je veux lire. Tu t'es fait vacciner? Tu t'es fait vacciner? Oui, je l'ai fait. Et attention, non. Je me suis fait, je me suis fait vacciner. Je me suis fait. Oui, pourquoi? Parce que c'est se faire, así, hacerse. Se faire, est-ce le verbe? Se faire, hacerse. Par exemple, je me suis fait les cheveux. Me he hecho hacer el cabello, digamos. Je me suis fait hacerse. Algo que no podemos hacer nosotros, entonces no lo hace, nos lo hacemos hacer. Je me suis fait vacciner. Me he hecho vacunar. ¿Te has hecho vacunar? Oui. Je me suis fait vacciner. Très vacciné. Oh, désolé, vacciné. Très bien, ok. Très bien. Merci, Ade. Ensuite, Bella, à toi. On va éliminer les questions. Vas-y. Ok. On attend. Vous êtes allé à la campagne l'été dernier, Bella? Par exemple, ta famille et toi, vous êtes allé à la campagne le dernier été? Dice, si fui al campo, ¿verdad? Oui, toi et ta famille et toi. Ta famille et toi. Vous êtes allé? Sería, oui, je suis ayer. Sería, oui, je suis ayer avec ma famille. Avec ma famille, très bien. Oui, ¿qué más podríamos agregarle? El sería un este, verano este, ¿verdad? Este. Pasado de Knie. Exactement. Sí, Parfait. oui. L'été dernier. L'été dernier. El... Entonces sería just, Oui, bueno. oui, je suis allé avec ma famille este dernier. L'été dernier, très bien. L'été dernier. Parfait. Merci. Parfait. Ok, on continue avec Carmen, à toi. Alors, n'oublie pas de répondre à la question en utilisant le passé composé. D'accord? Ou vous pouvez aussi ajouter quelques informations comme supplémentaires. Et vous avez vu quelques séries? Oui, j'ai vu des séries coréennes. Et il s'appelle comment?
C'était comment? Vincenzo. Ok. D'accord. Oui, ok. Si tu peux partager dans le groupe de WhatsApp, peut-être les séries en français ou en francophone, en français, pour la classe, n'est-ce pas? Vous pouvez partager le groupe, dans le groupe de WhatsApp. Merci, Carmen. Très bien. Ensuite, avec Maria, on va éliminer la question et on roule. Très bien. Oh, parfait. Pour la classe entière. Pour la classe entière. Vous avez compris le passé composé? Bonsoir. Oui, je pense que j'ai compris le passé composé. Ok, ça va, très bien. Parfait, bien répondu. Hop. Très bien. Ensuite, Marianne. Merci Maria, Marianne et ensuite Steph. Et on commence, on recommence. Alors, Marianne, tu es partie en vacances? Marielle, tu es partie en vacances? Oui, j'ai parti en vacances le dernière année. Eh bien. Not cette année. Ah, cette année, parfait. Todavía, comment se dit todavía? Encore. Ok. Alors, je suis parti. Je suis parti. Ah, parce que c'est de mouvement, non? Exactement, oui. Je suis parti. Mm-hmm. Avec l'accord à la fin. Merci, Marianne. Et tu es allée où? Ah, tu. À l'Inde. Ah, en Inde. Oui, en Inde. Oui, en Inde. En Inde. Oui. À la plage. À la plage, oui, à la plage aussi. À la plage en Inde? En Inde, oui, en Goa. Ok, très bien. Ça fonctionne. Merci, Marianne. On continue avec Steph. Vas-y, si tu es là. Ok. Voici. Steph, tu as voyagé en France? Oui, j'ai voyagé en France le dernier juillet et je suis partout le sud de France. Ok, bravo. Avec liberté, n'est-ce pas? Très bien. Oui. Okay. Avec liberté à Montpellier seulement, mm-hmm. Mais pour moi, pour comment on dit, à mon compte. Oui. Oui, à mon compte, je suis voyagée à sud de France, okay. Et à Paris aussi. Bravo. Très bien. Merci Steph pour partager un peu ce que moi tu as fait. Moi aussi. Amanda, toi aussi. Oui. En France, j'ai connu Marcoussi, Paris, mm-hmm. Mont-Saint-Michel. Oh. Ok, Mont-Saint-Michel. C'est Normandie. Et Saint-Malo, Amiens,
Y Le Château de Chambon, no sé dónde es exactamente, pero ¿dónde queda? Oui, je sais pas, mais en Normandie, je pense. Je Allez. pensais, parce que era antes de Mont-Saint-Michel. Ok, oui, au nord, n'est-ce pas? Dans le nord, et le nord. Le nord, sí. Oui. Et il y a le sur, ¿no? Le sur. Exactement. Ok, merci Amanda pour partager aussi. Alors, la question pour toi, tu as mangé des fruits aujourd'hui, peut-être? Tu as mangé des fruits? Non? Oui, je mangeais, j'ai mangé des fruits. Exactement, c'était ça. J'aime des fruits. Très bien. Et merci pour ta réponse. Ensuite, on va continuer avec Allez. Allez, ensuite, oui. Les derniers, ensuite on va passer à faire quelque chose d'autre. Et allez, quand est-ce que tu es né? Oh oui, quelle belle question. Quand est-ce que tu es né? Quand? Je suis née le 10 mai. Très bien, le 12 mai. Je suis né le 12 mai. Très bien, je suis né. Ah, 10. Ah, pardon. Le 10. Très bien, ok. 10 mai. Très bien. Le 10 mai. Parfait. J'y suis né, n'est-ce pas? Avec... Je suis né avec l'accord. Parfait. Le 10 mai. Merci. Merci. Allez. On élimine. Ok, on continue. Avec Bella. Et ensuite, Carmen, Maria, Marianne et Steph. Et on va finir avec Steph. Bella, à toi. Et tu as pris du soleil le week-end? Tu as pris du soleil le week-end? Tu as pris du soleil le week-end, Bella? Oui, et sería, yo tomo, je prends un fan de soleil, non, comment sería sol? Oui, le soleil. Soleil, oui, je prends un fan de soleil. Ah oui, j'ai pris, n'est-ce pas? J'ai pris. Je peux. J'ai pris, comme ça. Le passé composé. Avoir, après, le participe passé. J'ai pris, et tomado. Je J'ai pris du soleil, n'est-ce pas? J'ai pris du soleil. Et tomado au sol. Et le fin de semaine. J'ai pris du soleil. Ok, mais... Oui. Carmen, à toi. Et alors, qui a gagné le dernier match de foot en Bolivie? J'ai pu regarder le match et c'est Argentine qui a gagné. Oui, C'était exactement, c'est triste de l'Argentine. voir ça. Oui, en effet, pour tous les Boliviens. Mais l'Argentine a gagné le dernier match de foot, en effet. Merci Carmen. Maria, à toi. Ok, c'est un peu compliqué. Il n'y a plus le week-end. Maria, il a plu le week-end. Il a plu le week-end. Il a plu le week-end. Maria, tu es là? Non.
qui veut répondre? En Santa Cruz, oui, il a plu. Exactement. Par exemple, ici à La Paz, depuis, je pense, à peu près 6 mois qu'il n'a pas plu. Yo no estoy segura. ¿Cuándo fue? Oh, no. Il a plu hace 2 días. Oui, il y a 2 jours, il y a deux Il jours. est toujours. Ok. Ok. Okay. Pas le week-end alors. Pas le week-end. Il n'y a plus. Il n'y a pas plus. Exactement, Donc, il n'a pas il n'y a plu. plus. Très bien. Toujours assis alrededor del verbo. Il n'a pas Ajá. plu. Il n'a pas plu. Très bien. Ok, ensuite avec Marianne, oui, à toi. Tu as pu bien dormir hier soir, Marianne? Oui, j'ai pu bien dormir hier soir. J'ai pu bien dormir tous les jours. Ok, parfait, exactement. Oh, c'est ça. Ensuite, Steph, et on finit. Oui, alors un peu. Est-ce que le professeur a été absent? Et non, et le professeur n'a pas été absent. C'est bien. C'est bien. Effectivement. OK. Merci. Alors, oui. OK. On va passer à faire autre chose. Bien. Excellent. Tout simplement pour. Oui, travailler sur le passé composé, n'est-ce pas? Ok. Pour finir, oui, je pense qu'on peut travailler ça avec les verbes pronominaux, oui. Ou le verbe du mouvement. Le verbe de mouvement. OK. Alors, c'est dans cette fois-ci, on va travailler de façon libre, d'accord? Si vous avez la réponse, la bonne réponse, vous pouvez le dire. Et c'est ça. OK. C'est facile encore. OK. Quelles sont les possibilités? Quelles sont les Nous possibilités? sommes allés au marché du matin. Exactement. Alors, A, B, C ou D? Ah, Ah, ah non, d'accord. Oui, A, c'est C. B, A, B, C. D'accord. On va vérifier. A, Oui, non, et B, d'accord. A et B, A et B. la C. C, d'accord. Oui. Oui, c'est compliqué, n'est-ce pas? Parce que. Oui, alors, on va vérifier. C'est Et. masculin. Oui, nous sommes allés.
Nous sommes allés. Masculin, n'est-ce pas? Ok, masculin. Masculin. Masculin, ok. B. B alors. B, ok. B, et ensuite, il y a deux réponses attendues. Deux réponses attendues. Ah. Très bien, effectivement. A et B. Très bien, n'est-ce pas? Puede ser esos dos casos. Deux réponses sont attendues. Très bien, merci. Bien évidemment. Ensuite, A, B, C ou D. Et vous devez lire la phrase. Ensuite. Vous êtes parti ou vous êtes parti avec elle? Très tôt. B. B, n'est-ce pas? Et... Ok. Parti. Oui, c'était bien. Effectivement. Merci. Allez, ensuite. Ils B. sont sortis. B. Alors, ok. Non, c'est pas B. C'est, je dis. Désolé. J'ai entendu C'est. B. Oui, Ils j'étais sûr. sont sortis. Oui, ils sont sortis tout seuls, n'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas de lire la phrase entière. Très bien. Merci, Amanda. Désolé. J'ai entendu B. Mais oui, tu étais correct. Ensuite. Vous devez lire la phrase aussi. Vous êtes rentré sans moi. A, B, C, D. Vous êtes entré, n'est-ce pas? Vous êtes entré sans Le moi. A. Ah, très bien. Ensuite, merci, Carmen. Tu es né le 2 juillet. A, B, C, D. Ah. D'accord. A, deux réponses sont attendues. B. A et Ah, B. aussi. Oui, A, B. Très bien. Ah, A, B. très bien. Oui, c'était ça. Tu es né le 2 juillet. Parfait. Très bien. Ensuite, on continue. Voilà. Elle est arrivée à l'aéroport. Elle Le est B. arrivée à l'aéroport. Très bien. En effet, c'était ça. Merci, Carmen. Ensuite, quelqu'un d'autre? Ok, vas-y. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ah. B, C, D, Ah. A. D'accord. Oui, c'était A. Très bien. Merci. Allez. Bien joué. Il est mort très jeune. Tant pis. Ensuite. Elle est tombée d'où toi? Elle est tombée. C ou D? Deux. C'est très bien, merci. Allez, bien joué. Ensuite. Ils sont arrivés en fait. Hein. Ils sont arrivés en retard et... Ah, et... Ah. Ah, ok, très bien. Merci, Marianne. Très bien. Bien joué aussi. Tu es descendu pour manger. Tu es descendu pour manger A ou B. B.
Ben, très bien. Ok, très bien. Merci, Carmen. Bon travail. Ensuite, 12. 12, 12. 12, 12. Allez-y, allez-y. Il est Il passé. est passé. Il est passé très Ah. bien. Ah, ok, Ah. merci. Effectivement, c'était ça. Bien joué, Marianne. Ensuite, 13. Ce sont les derniers. Ce sont les derniers exercices. Ils sont allés au supermarché. Ils sont Des. des. D'accord. Parfait. Parfait. Bien joué. 14. 14. On passe. Oui. Vous êtes venu ou vous êtes venu Menu avec les B ou C. voir B ou B ou C. D. B ou D. B ou C, n'est-ce pas? B ou C, oui. Venu, venu. B ou C. Oui, S, S, toujours S à la fin. Merci. 15. Merci, Amanda. Merci, allez. 15, 15, vas-y, 15. 15, 15. Elle est sortie samedi soir. Elle est sortie samedi soir. Lettre. Et B. B ou D? B. B, effectivement. Parce que B. c'était bien. Très bien, merci. 16, 16 pour finir. Compliqué. Tout est douché. Ah. Oui, c'était ça. Tu t'es douché. Très bien. Tout est à soutien de très bien. Et, ah oui, il manque 10. Deux réponses attendues. Deux réponses attendues. Deux réponses espérables. Je suis restée à la maison samedi soir. C'est OD. Très bien, très bien. Effectivement, je suis resté. Parfait, parfait, je suis resté. Avec le verbe colomino, con los verbos pronominales, n'est-ce pas? Avec le verbe colomino. Parfait, bien joué. Alors, pour finir, et pour finir, alors je vais partager quelques activités à faire pendant le week-end par rapport au passé composé. Mais, et, alors oui, peut-être on peut travailler, oui, une biographie, parce que la tâche comme activité, comme tâche, sera de faire deux biographies, d'accord? Deux biographies. Deux biographies des deux personnages, disons, fameux. Mais l'important, on va travailler une biographie d'une femme et une biographie d'un homme. D'accord? Pour bien évidemment regarder l'accord. N'est-ce pas? L'accord. On va finir avec une dernière activité de compréhension écrite et on va travailler le passé composé. Oui. Soit le verbe être ou soit le verbe avoir. Les auxiliaires être ou avoir. Lis cette biographie de Yannick Nao, et l'un des sportifs et chanteurs préférés des Français, et complète les espaces vides avec l'auxiliaire qui convient. D'accord? Vous devez faire une chose pareille. Travailler une biographie, mais d'une femme célèbre ou d'un homme célèbre. Mais les deux, d'accord? Voilà. Et on va lire maintenant la biographie de Yannick Nao.
l'un des sportifs et chanteurs préférés des Français. On doit tout simplement choisir le vers. D'accord? Donc, qui veut commencer avec le premier paragraphe? Le premier Je paragraphe. peux commencer? Vas-y, merci, Carmen. Avant de devenir célèbre comme chanteur, Yannick Noah a été un grand joueur de tennis. Il est né le 18 mai 1960. Très bien, il est né, a été et il est né. Très bien, c'était comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'accord parce que c'est un homme, Noah, Yannick, pardon, né le 18 mai. Parfait, merci Carmen, comme ça. Ensuite, douzième, non, deuxième paragraphe, non. Oui, deuxième paragraphe. Merci, merci Marianne. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1978 mais c'est au début des années 80 qu'il a devenu célèbre avec ses matchs contre les meilleurs joueurs de tennis de l'époque. En 1983, il a remporté le tournoi de Roland-Garros contre Matt Vilander. Très bien, contre Matt Vilander. Très bien. Et ça va, ça va, ça va. Et vous êtes d'accord? Non, il y a une faute. Il y a une faute, n'est-ce pas? Où se trouve la faute? Il est devenu célèbre. Oui, exactement. Il est devenu célèbre. Très bien, en effet. Il est devenu. Le verbe devenir, ça fait partie du verbe venir. Venir. C'est comme un verbe ainsi que venir. Venir comme ça, n'est-ce pas? Et sous dérivados también, comme devenir. Devenir. Oui, venir fait partie de la maison d'être, comme devenir también, comme ce sont sous dérivados también. Comme entrer, par exemple, entrer. Entrer, igual forma parte de la maison d'être, pero también rentrer. Sería como un reentrar, pero va a ser rentrer, ¿no? Rentrer. Son sus derivados también. Rentrer, en effet. Et merci. Ensuite, troisième paragraphe. Quelqu'un d'autre? Steph, allez, Moi, Maria, peut-être. Vas-y, merci. il a Vas-y. arrêté sa carrière de joueur en 1980. Ouf. Ah, une fois encore, il a arrêté. Il a arrêté sa carrière de joueur en 1981, mais il a continué dans le tennis en devenant capitaine de l'équipe de France. Ok, très bien. Très bien, c'était comme ça. Oui, il a arrêté, très bien. Oui, ça va. Merci. Allez, Amanda, cette fois-ci. Et ensuite, Steph peut-être ou quelqu'un d'autre. Amanda, vas-y. Je pensais qu'il a arrêté sa carrière de journée, mais il a continué. Pero ese il a arrêté? Oui, arrêter, parce que arrêter, ça ne fait partie de la maison d'être. Es un verbo Ah, ya. parar, parar. Sí. El a, ya. Ya. Ok. Le paragraphe suivant. Parallèlement, il a lancé dans une carrière musicale au début des années 90, Très bien. mais il est connu. Les
véritable succès à partir de 12 000, comment ça se dit, 2000, très bien. 2000. À partir de 2000. Ok. Ok. Vous êtes d'accord. Notre prof, il a connu, très bien, il a connu le véritable succès à partir de 2000, très bien. La première phrase, ça va? Il s'est lancé dans une carrière musicale. Effectivement, n'est-ce pas? Il s'est lancé, c'est un verbe pronominal. Un rebus. Oui, exactement. Oui. C'est lancé, c'est lancé. Tengo que practicar. C'est lancé, sí. Et il s'est lancé dans une carrière musicale, oui, au début des années 90. Mais il a connu le véritable succès à partir de 2000. Très bien. Pour finir, la dernière ligne. Estef, vas-y. Il a aussi participé au tournage d'un film saga et plus récemment d'un téléfilm. Parfait. Il a aussi participé, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, merci Estef. Et n'oubliez pas de mettre les adverbes au milieu. Así van al medio los adverbios. Il a aussi participé. No, extraño, il a participé aussi, como estendríamos. O aussi, il a participé. Al medio. Il a aussi participé. Oui. Parfait. Excellent. Pas de question, n'est-ce pas? Biographique comme ça. Simple. Au moins 5 paragraphes. N'est-ce pas? Trois paragraphes maximum. N'est-ce pas? Avec les auxiliaires être ou avoir. Il est né, il a fait quelque chose. Et deux personnes, d'accord? Deux personnages célèbres. Un homme et une femme. Et comme ça, on va regarder l'accord en genre et en nombre. N'est-ce pas? Voilà. Pas de questions? Il y a des questions? Non. C'est une activité à faire pendant ce week-end, pour la semaine prochaine, d'accord? Vas-y, deux biographies. Les bibliographies, c'est pour des gens d'ici ou de l'extérieur? Ah oui, quand vous voulez. Quand vous voulez. Ils peuvent être étrangères ou boliviens, et oui. Quand vous voulez. Oui, vas-y, Estef. Est-ce que vous pouvez partager un peu de clés pour comprendre mieux le passé composé à l'imparfait, parce que je ne sais pas comment utiliser les deux. Oui. D'accord, oui. Les deux. D'accord, les deux. Oui, on va travailler justement les deux. On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois, avec l'imparfait et le passé composé la semaine suivante. Donc, oui, de toute façon, je vais partager des contenus pour anticiper, d'accord? Pour que vous puissiez regarder les vidéos ou travailler chez vous, chacun de son côté. Et après, pour la classe, alors vous êtes prêts pour les exercices. Oui, avec les deux temps verbaux, l'imparfait et le passé composé. On va regarder la semaine prochaine. Merci. De rien. OK. Et pour finir, comme d'habitude, on va avoir une petite compréhension de l'oral. Ce sont nos dernières deux, à peu près trois minutes. Trop rapide. On doit toujours dédier, consacrer les dernières minutes à une compréhension, à travailler la compréhension de l'oral. Et je vous laisse ensuite. OK. Alors. OK. OK, c'est facile. D'accord? Ou peut-être pas facile, mais on va voir.
Alors, simplement, on doit liser les questions. Quelqu'un qui veut lire les questions, on va tout simplement répondre ces quatre questions. Et d'après l'enregistrement, pour travailler un peu la partie de compréhension de l'oral, d'accord? Comme d'habitude. Quelqu'un qui veut lire les quatre questions? Merci, Steph. Vas-y. Lisez la question. Et il s'agit d'un dialogue entre deux amis, un jeune fils et sa mère. Un jeune fils est un professeur. Du vrai, faux, cela n'est pas dit et Rochelle est bonne réponse. La jeune fille est en classe au lycée. La jeune fille préfère l'espagnol. La jeune fille est une bonne élève. La jeune fille dit qu'elle veut vivre en Amérique du Sud. 3. D'après le document, la France est la, comment dit, est l'Allemagne. L'Allemagne et non pas de relations économiques, ont très peu de relations économiques, ont beaucoup de relations économiques. 4. Les professeurs d'espagnol, 2 réponses, donnent des bonnes notes, organisent des voyages en Espagne, n'est jamais absent, est plus gentil que les professeurs d'allemand. Parfait. Merci, Steph. Vous êtes prête à commencer? N'oubliez pas, on va avoir deux écoutes. Et c'est parti. Maman, quand je serai au lycée l'année prochaine, je voudrais faire de l'espagnol. Tu es sûre? Tu ne préfères pas apprendre l'allemand? Non, toutes mes copines vont choisir l'espagnol. Tu as tort. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Et alors? Tu trouveras plus facilement du travail. Mais le prof d'espagnol est plus sympa et tous les ans, il organise un voyage en Espagne. Mes copines m'ont dit que c'était super. En plus, pour information, ma chère maman, l'espagnol est parlé dans presque toute l'Amérique du Sud. D'accord, ma chérie, fais comme tu veux, tu es libre de choisir. Alors oui, c'est trop rapide. Attention, c'était trop rapide, je sais. Mais est-ce que vous avez pu identifier quelques réponses, peut-être? Deuxième écoute. D'accord, deuxième écoute. C'est parti. Maman, quand je serai au lycée l'année prochaine, je voudrais faire de l'espagnol. Tu es sûre? Tu ne préfères pas apprendre l'allemand? Non, toutes mes copines vont choisir l'espagnol. Tu as tort. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Et alors? Tu trouveras plus facilement du travail. Mais le prof d'espagnol est plus sympa et tous les ans, il organise un voyage en Espagne. Mes copines m'ont dit que c'était super. En plus, pour information, ma chère maman, l'espagnol est parlé dans presque toute l'Amérique du Sud. D'accord, ma chérie, fais comme tu veux, tu es libre de choisir. Ok, rien. On peut répondre quelques questions ou troisième écoute. Oui, allez, allez. Estef. La uno. D'accord, vas-y, vas-y, excellent. Un jeune fils et sa mère. Très bien, il s'agit d'un dialogue entre une jeune fille et sa mère. Très bien, exactement, parfait. Deux, vrai, faux, cela n'est pas dit, cochez la bonne réponse. Alors, la jeune fille Première. est d'accord, la jeune fille est en classe au lycée, et faux, ok, faux. D'accord. C'est vrai. C'est vrai? C'est Ah, très, très, d'accord. très. La jeune fille après l'espagnol, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ok. La jeune La fille. première, c'est faux, professeur. D'accord, la première, c'est faux. Alors, on va vérifier ensemble. Il y La a. deuxième, c'est vrai. D'accord. La jeune fille prépare et La préfère jeune fille préfère espagnol l'espagnol? vrai. Vrai. OK. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Vrai. OK. Personne dit faux. OK. La jeune fille est une bonne élève. Est une bonne élève? Non, c'est ça. Très bien. Exactement. On ne se dit pas. Très bien. Cela n'est pas dit, par exemple. Très bien. Cela n'est pas dit. Oui. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire, bon élève? Ah, bon élève. Bonne. Est-ce oui? Bonne alumna. Tu es bon alumne. On ne s'est dit, ne, je sais pas. Ensuite, la jeune fille dit qu'elle veut vivre en Amérique du Sud. Vrai.
Vrai, ok, vrai. On va vérifier ensemble. Et trois, d'après le document, la France et l'Allemagne n'ont pas de relations économiques, ont très peu de relations économiques ou ont beaucoup de relations économiques. La On troisième. beaucoup de On beaucoup de relations économiques. Très bien, ont beaucoup de relations économiques, très bien. Et pour finir, le prof d'espagnol, deux réponses attendues, donne de bonnes notes, organise des voyages en Espagne, n'est jamais absent ou est plus gentil que le professeur d'allemand. Organise des voyages en France. D'accord. Deux réponses attendues. Et plus gentil. Et plus gentil. Ok. Très bien. Merci, Le Steph. plus gentil le professeur d'allemand. D'accord. On vérifie maintenant. C'est parti. Maman, quand je serai au lycée l'année prochaine, je voudrais faire de l'espagnol. Tu es sûre? Tu ne préfères pas apprendre l'allemand? Non, toutes mes copines vont choisir l'espagnol. Tu as tort. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Et alors? Tu trouveras plus facilement du travail. Mais le prof d'espagnol est plus sympa et tous les ans, il organise un voyage en Espagne. Mes copines m'ont dit que c'était super. En plus, pour information, ma chère maman, l'espagnol est parlé dans presque toute l'Amérique du Sud. D'accord, ma chérie, fais comme tu veux, tu es libre de choisir. Oui, ça va, n'est-ce pas? Et... Prof, le numéro 2, la jeune fille est en classe de lycée, c'est faux parce qu'il y aura... Et... Elle va aller le prochaine année. Ok. C'est faux. C'est vrai, on enlève. D'accord. C'est fou. Ok, merci tout le monde. Toujours, il faut pratiquer un peu la compréhension de l'oral. Et il est déjà l'heure. Merci d'être venu. Passez Merci. une bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas de faire les deux Bon week-end. biographies. Merci. Et d'accord, la biographie Je d'une femme et d'un homme célèbre. Ok? On se voit mardi à 19h30. Prenez soin de vous. À la prochaine. à la Merci. prochaine. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.